Coucou les caricatives, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de rentrer chez soi après une dure journée de travail et de voir le courrier, le joli courrier d'une copinette. Mais courrier, là, c'est un peu énorme, Nathalie. Oui, il y a beaucoup de Nathalie. C'est Nathalie G. Avec très joli timbre. J'aime bien ton chien aussi. Sympa, trois bandes dans le coin comme ça, c'est mignon comme tout. Mais c'est lourd, qu'est-ce que tu as mis dedans? Ben, on va découvrir ça ensemble. C'est Nathalie, si je me trompe pas, de Patty Scrap. Comme d'habitude, il y a le arrobas, vous pouvez aller visiter sa chaîne si vous ne la connaissez pas. J'arrive pas à voir le début de l'enveloppe. Mais là, c'est là. C'est bien garni, c'est énorme. Oh, pas dur, il range. Waouh, tout ce travail. C'est pour gérer l'immobilier. Là, là, tu es productive. Ça a l'air d'être tout dans le même style. Ah bah. J'ai trouvé la Memory Dex en premier. Enfin, en premier, non, j'ai pas trouvé en premier, mais j'ai là. En premier, toi aussi, tu fais. C'est trop joli. Quand vous faites les petits sacs comme ça. J'adore. C'est une Memory Dex et shaker. Enfin, une Memory Dex shaker en fait. C'est sympa comme tout. Ça fait un peu effet objectif. C'est aussi un appareil photo. Je vais ouvrir pour. Pour le brillant du plastique. C'est joli. C'est joli. Là, on avait un appareil photo rose, un appareil photo vintage. Enfin, je sais pas, pour moi, ça me fait penser à un appareil photo du fait qu'il y ait le cercle. N'hésite pas à me corriger en commentaire. Pour moi, là, il y a l'ouverture pour le flash, le petit bouton pour la prise de vue. Les notes de musique. Alors, j'ai pas encore lu ton courrier, peut-être. Je viens d'ouvrir. Je me demande si tu as fait une Memory Dex qui te ressemble. Ou t'aimerais la musique. C'est joli comme tout. Belle cette perle un peu délaissante. Tout plein de jolies choses dans ton shaker. Et je me suis pas trompée. C'est bien Patty Scrap. Ah, là, une chaîne, elle a aussi un Facebook pour celles qui sont plus sur Facebook. C'est très très joli. Allez, on change d'objectif. Pourquoi pas, on change d'objectif. Non, on change pas d'objectif. On change de point de vue. C'est très très joli, est-ce qu'on le voit bien? Hop, on peut plus se pencher, voilà. C'est bien dans le cadre. Et est-ce que j'essaie de trouver le mot de bord? En même temps, on voit tes jolies créations. On va regarder les créations comme elles viennent. Encore, joli petit sac. Avec ce très joli tag. Oh non, il n'y a rien écrit derrière. Il est très très beau. Celle-là décorée des deux côtés. C'est super mignon. C'est beau, j'arrive pas à voir. C'est peut-être avec des petites perles autocollantes. On dirait plus des perles autocollantes que des doses que tu aurais fait toi-même. Sur le coup, j'ai cru que c'était des gouttes de cire à cacheter. On pourrait le faire aussi, mais c'est un peu risqué. Cacher des cires. Tout un petit décor vintage. Histoire naturelle. Museum of Natural History. Histoire naturelle. Des fourmis. C'est tout mignon. Cette superposition de papier. Là, du coup, pareil, petite fourmi. J'adore. Tag, l'étiquette.
Ah là, on dirait bien une goutte de cire. Peut-être c'en est du coup. Je manipule pas la cire. Ça fait le même bruit. Peut-être du plastique quand même. On pourra confirmer s'il te plaît. Ou infirmer. Comme ça, je sais. J'en apprends tous les jours avec vous toutes. C'est très très joli. Très joli. Quelle petite perle. Je sais pas si c'était. Je dirais qu'il y a deux dies superposés. Enfin, deux dies plus le cœur avec le petit strass. Ça, ça devait être sur le papier, on dirait l'effet couture. C'est vraiment très très joli. Je suis en train de réfléchir où je vais poser. Je suis là. Voilà, on en dit. Ah, tu me trompes pas, on dirait un ABC, c'est super beau. Ah, pardon, je commence à regarder, mais peut-être que ça brille. Et du coup, je vais pouvoir mettre des jolis timbres. Je sais même plus si je les ai montrés en détail au début de la vidéo. Je ne me rappelle plus. Je lui disais, grosse journée au travail. Le cerveau, il est moins bien connecté. Ah, je connais ça. C'est super joli. On dirait que tu as pris un cardstock en base, on voit légèrement le quadrillage que tu aurais teinté toi avec des encres. Avec les choup-choup. Le mot m'échappe. Les choup-choup là, les estompeurs. Tous les feuilles. Puis tu es l'eau. Belle ta clé. En métal en plus. Comme les rouages. C'est super joli. J'aime aussi en argenté. J'avais jamais pensé faire des petits zigzags, je fais toujours en noir ou un tour, oui, mais là avec les petits zigzags, j'avais pas pensé. Ça rend super bien. Bravo, bravo, Nathalie. Oui, du coup, je lis parce que derrière un ABC, il y a un petit mot, une citation inspirant. Du coup, oui, inspirant, c'est le mot, un petit mot, une petite citation inspirante pour destinataire. Et je... Donc là, je vais voir que la machine n'est pas droite. Le premier concours que j'avais fait, c'était justement un BC, avait dit que c'était personnel ou destinataire. Du coup, elle ne les lisait pas. Bah, du coup, ma bonne élève, obéissante, je ne vais pas le faire non plus. Du coup, je ne sais pas si tu aurais préféré que je fasse partager tout le monde de cette citation. Une belle citation. Voilà. Du coup, j'ai ce complexe là, tout ce qui est derrière, en fait, je le dis jamais, ou sauf si ça m'échappe parce que je l'ai déjà dit, ça fait ah ben oui, c'est ce que j'avais dit. Sinon, on va dire ce qui est écrit, on a tendance à dire que, sauf si c'est en visu, que c'est plus personnel, donc on n'a pas forcément envie que ce soit visible par n'importe qui cliquerait sur la vidéo. Je continue à ouvrir de super jolis petits paquets. C'est vraiment trop trop beau avec la bordure papier. Oh ben voilà. C'est vrai que j'ai dit Patty Scrap Talic. J'ai un doute sur le nom de. Ah oui, c'est Patty Scrap Talic. Oui, parce que je crois qu'il y a une autre Patty Scrap aussi. Il est super joli ton tampon. Une très très jolie carte. Pareil, je pense que c'est toi qui l'as coloré, c'est pas. Très bel effet vintage. C'est pas. Enfin, si c'est pas, non. C'est un très bel effet vintage. Je pense pas que ce soit un papier acheté en l'état. Oui, il était peut-être comme ça au départ. Il a rajouté du marron. Et c'est super joli. J'ai trop zoomé. Je me suis trop approchée. Une petite étiquette en relief, Tench Birds. Ah, il est trop mignon avec ses lunettes, lui, j'adore. Smile. Ah, et deux tags sortis du papier vintage, enfin effet vintage. C'est joli. Photographie. C'est très très joli.
j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. C'est super bien. C'est vrai. Cette chose, tu as fait plein de choses. Je ne sais plus comment mettre. J'ai pas envie de cacher mon thé. Et là, punaise, mais j'arrête pas à me demander ce que c'est là-dedans. Je sais pas s'il y avait un ordre de découverte. Ça, c'est du coup pour. Ça penchait un peu parce qu'il y a de l'épaisseur. On va pousser le petit chat. Merci. Voilà, comme ça. Voilà, c'est quoi? Oh, c'est joli. C'est joli. J'arrive à mettre du brillant dessus. Ça fait vraiment son effet, c'est une bonne façon d'utiliser ces chutes de papier. C'est très joli, je voulais voir le haut, j'aurais pu bouger. C'est trop mignon. Ça fait un très très joli embellissement, le thème du thé. J'adore, elles sont super belles ces pierres, enfin, ces hémisphères. Tamponnage là, enfin, je sais pas si c'était le tamponnage ou si c'était, oui, on dirait un tamponnage. C'est toi qui fais tout, c'est super joli. Les fonds de papier, j'adore ce qu'il fait. Et le nœud est très très beau, et c'est sympa. On dirait presque une petite robe. Ça fait un très joli embellissement vintage, c'est super joli. Peut-être c'est un format que je connais pas parce que ça fait pas très longtemps que je me suis remise à m'intéresser à ce qui se faisait. J'étais cantonnée au... J'arrive pas à faire mes albums, faut que je me lance. Faut que je me remette dessus. Et du coup, je découvre plein de choses. Waouh, mais il y a tout plein de choses à faire, ça l'éclate. Autant c'est un format. Si c'est le cas, tu veux bien nous le dire. Peut-être qu'il y a que moi qui ne connais pas. Bon, peut-être pas quand même. Mais voilà, si tu peux le mettre en commentaire. En tout cas, c'est très très mignon. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu quelque chose comme ça. Oh, que c'est féminin celui-là. Non, enfin, on sort du vintage, pas vraiment, parce que le mannequin est bien vintage. Parce que vous voyez bien, parce que ça prend du temps quand même d'ouvrir. Là, j'adore le petit. Voilà, il n'y a pas de forme en haut, c'est carré, c'est petit. Non, c'est plus petit qu'une ATC. Non, si, c'est une ATC. En plus, c'est tellement joli, le petit sac, j'ai envie de le laisser le temps. Avec très très joli. Oui, faut que je cherche des synonymes de joli. Oh, c'est joli, j'arrête pas. Et voilà, ça sort tout seul. C'est trop beau ce que vous faites. Donc on voit, la feuille est ancrée en rose. Du coup, c'est cette bordure, voilà, des petites perles. C'est très très féminin, c'est très joli. Oui, voilà, j'ai redit. J'aime beaucoup. C'est vrai, quand on pense vintage, on pense de suite aux couleurs marron, mais c'est plus vintage, on va dire héritage. C'est pire à tout ça, mais c'est vrai que là, c'est super joli aussi. Trop joli, marque-page, c'est super joli. C'est quoi, ça va, il n'y a pas trop, ça brille quand même, comme quand je passe comme ça. Voilà, du coup, page de livre. J'ai quand même envie d'aller ouvrir et toucher parce que là on voit du fil. Je sens en travers. Il y a du tamponnage d'abord, petit papillon là. Ah, il est joli aussi ton œil. Oui, mais je peux pas s'en ouvrir. T'es fait pas. Voilà, regardez comme il est super beau cet œillet. Il est bien épais en plus. Ah, c'est une page du livre pliée. Pour donner un petit peu de tenue. Toujours ces jolies demi-perles. Le ruban.
ruban dentelle, pardon. Petit bouton, je dirais qu'il est vraiment cousu. En même temps, tu as peut-être collé la dernière partie après. C'est pour ça qu'on ne voit pas de fil, mais on dirait vraiment qu'il est cousu. Je ne vais pas risquer de décoller. Petit dies, une demi-perle. Très très esthétique aussi. J'aime beaucoup ce que tu fais. Ça me permet de découvrir, parce que oui, on est quand même très nombreuses sur YouTube. Donc on peut pas tous se connaître. C'était bien, avec ce concours, je voulais vous rencontrer, je voulais mieux connaître celle qui était déjà là, et du coup, ça m'a permis d'en rencontrer quelques-unes, et j'ai très envie d'aller voir vos chaînes. Normalement, si je me suis pas plantée, je me suis abonnée. Après, quand j'irai voir, je le verrai. Puisqu'on peut laisser les commentaires, du coup, ça permet de retourner voir. Je sais pas si tout est accroché. C'est voilà, le petit chapeau n'est pas accroché. C'est très très joli. Ah, et c'est accroché quoi. Oh, un petit pelot. C'est super mignon. Petit chapeau en dentelle. Le nœud, j'adore. Oui, il fait son poids. Dis-nous en commentaire si t'as fait une vidéo où tu le fais. Ça peut te faire des vues. ça peut nous intéresser. Moi, j'avais vu, je voulais en faire avec un bouchon. J'ai l'impression, oh, ça peut être un bouchon plus petit. Bouchon de bouteille, collé dessous un rond de carton comme ça. Et le décorer. Je m'étais dit j'allais faire des petits chapeaux, je ne l'ai pas encore fait, mais du coup je vois. Je me demande si tu as fait pareil en fait. C'est très très joli. Là pour moi c'est un bijou d'album qui est juste sublime. Avec, c'est normal, si je ne me trompe pas, c'est une capsule altérée. J'aime pas ce mot parce qu'altérée on dirait toujours que c'est abîmé. Hein. Que c'est juste magnifié là. Regardez comme c'est joli. Avec la dentelle, l'image au cœur comme elle est belle. Une petite rose. Voilà la finition. Trop belle. J'hésitais à tourner, mais là, voilà. La finition elle est superbe. J'adore. Petit lapinou. Non, elle est trop mignonne. Oui, une petite robe, c'est une fille. Ça, c'est avec les tiges, bijoux, les perles. J'adore les couleurs, c'est super joli. Je vais en faire aussi des petits bijoux. Je veux en faire. J'ai pas encore l'occasion, mais c'est très inspirant quand tu fais le tien. Il est trop trop beau avec les petites breloques. C'est super beau. Là, c'est une autre capsule. Je vais pas faire de bêtises. Ah oui, il était accroché là, lui. Décrocher le coquin, oui, regardez comme ça fait une jolie présentation. Et ça aussi, du coup, c'est une capsule altérée. Je pense que tu as peut-être mis du glossy accent dessus pour qu'il brille comme ça. C'est très très joli. Tout petit nœud, tout petit cœur et toute petite perle. Alors j'en avais jamais eu dans les mains de. Et voilà, le mot est encore parti. Non, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais pas eu Covid. j'ai tendance à beaucoup parler, mais je suis animatrice. Je suis animatrice. Du coup, je parle quand même beaucoup, je fais des présentations et j'aime bien ça, j'aime beaucoup les mots. Et voilà que depuis quelques mois maintenant, ils me font défaut. J'espère que ça passera avec le temps, que ça reviendra. Je suis profondément agaçant. C'est les capsules. Capsule, je sais pas, j'ai peur de tirer du mauvais côté ou que non, voilà, c'est une déco. En fait, ça, c'est la déco de la présentation. C'est trop trop beau. J'ai soulevé, du coup, on voit le scotch, c'est pas du scotch, c'est du double face épais. Mais c'est magnifique. Franchement, bravo. Bravo, bravo. C'est superbe ce que tu nous montres, ce que tu nous fais découvrir. Ça donne envie d'aller voir ta chaîne. Et quand on va voir les chaînes des copines, on n'hésite pas, on met des pouces, des petits commentaires. Ça fait
C'est que des fois on regarde, oh, c'est sympa, mais si on ne met pas le pouce, le commentaire, ben, la copine elle sait pas. D'ailleurs en ce moment j'ai des problèmes de commentaires. Des fois j'écris un commentaire et je sais pas pourquoi il passe pas. C'est arrivé sur plusieurs chaînes sur plusieurs de vos chaînes. Alors je reviens, je réessaye, des fois ça marche, des fois j'ai pas trop le temps, je peux pas revenir de suite. J'espère que mes pouces passent au moins. Et au moins le petit pouce. Bien emballé. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ah, si, du coup, là, je sens, ça ressemble un peu à un livre. Là, c'est un bloc-notes. Ce cadre, c'est trop trop beau. Un petit chat. Oui, c'était pertinent comme commentaire. Du coup, là, c'est la même dentelle que là. Il est très joli d'ailleurs ce galon avec les petits sequins. Belle aussi ta rose. Ah, oui, il a l'air d'être bloc-notes à l'intérieur, mais c'est beau. Du coup, t'as fait une couverture. Déjà. Des pattes de chat. Ça, c'était les papiers action. J'étais contente de le trouver, celui-là. Souvent, quand on regarde sur les chaînes des copines, on voit des blocs, ouais, joli, puis on ne trouve pas. Celui-là, ça m'aurait fait marronner de ne pas le trouver. Oh, que c'est beau. Oh, trop belle ta couverture. T'as super bien travaillé. C'est trop, trop beau. Joli. C'est sympa. Non, il n'y a rien, je vérifie quand même. Là, j'ai touché, parce que je vais réussir à remettre aussi joli que ce que tu avais fait. Et là. Du coup, c'est un bloc-notes, oui. Tu as décoré la couverture. Mais c'est trop beau. Ça, c'est une super idée cadeau. Merci beaucoup pour ce cadeau. C'est vraiment très, très beau. Là, du coup, on voit, il y a du travail. Il y a les strass, la dentelle, le papier. Je vais dire embossé. C'est pas embossé, c'est perforé. Là. Sous le papier décoré, la déco, la pierre. Ces trucs que j'adore, que le mot il échappe tout le temps, il revient jamais. Et voilà, il est dans ce petit carnet. Sympa, il tire sur le violin en plus. C'est trop trop bien. Il est magnifique, ta couverture. J'adore. En plus avec ton système, c'est ça, avec ton système, tu finis le carnet. Bon, tout le temps quand même. Ok, pour écrire toutes les idées avec toutes les choses que je vois, oui, on peut se remplir assez vite. On peut le changer, oui, c'est ça. Un système d'accroche derrière. J'espère que tu nous as fait un tuto sur ta chaîne. C'est trop beau. Je disais donc, c'est une super idée cadeau. Pour le tout venant, même, on peut faire ça pour des non-scrappeurs. C'est sublime. Il est trop beau, il est trop, trop mignon. Avec la petite dentelle qui le tient, c'est juste sublime. Je sais pas si je l'ai ouvert, si je ferme, j'adore le petit chat. Ça, et puis tes coins. J'adore les coins comme ça, c'est beau. Bravo, bravo. Bravo Nathalie pour ta participation. C'est super, bravo et merci beaucoup. Donc je disais, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, ben, dès que je peux, je viendrai voir. Si t'as fait un peu les tutos de toutes ces belles choses qu'on a pu découvrir ensemble ce soir. J'aurais peut-être pas dû dire ce soir, parce qu'il y a peut-être des gens qui le verront, c'est pas le soir. Bon, j'ai dit au début de la vidéo que c'est la fin de journée, donc c'est logique.
ça se comprendra. Des fois, ça fait bizarre quand on regarde une vidéo et que le matin et que l'autre il dit le soir. Ça perturbe. Est-ce qu'on le voit là, dans le cadre? Voilà. Chers et petits créatifs, j'espère que vous avez passé un agréable moment à découvrir toutes ces belles choses avec moi. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne. Hier, sur les autres, je sais pas si je le dis à chaque fois, je le pense. Est-ce que je pense à le dire? Peut-être pas. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer!